Vous faites ça entre vous oui, ou vous faites ça avec l'elfe en question? Ouais, bien, on fait ça entre nous, ça peut être drôle. Pas de soucis, allons-y. Ok, très bien. Alors, on va commencer. Donc, du coup, qui veut commencer à boire le premier coup? Peu importe. Honneur au plus petit. Vas-y. Honneur au nez. Honneur au nez. Oh, oh, 20, tranquille. Ouais, je le sens mal. Tu prends ta bière, tu fais... Allez, vas-y, fais mieux. Oh. 8. Il te regarde, il te regarde, il fait pire. C'est, il prend, c'est, il te regarde, il fait pire. Il prend une bouteille, il prend pas la, il met pas le contenant dans, enfin il met pas la, la bière dans son contenant. Oui, il prend la bouteille, il fait ça, il la scoot, c'est, et ça fait, c'est le petit tourbillon. Du coup la bière descend, elle fait oh. Il est belge. Alors, vas-y à ton tour. Bah bon, plus c'est vrai. Flo qui retente. Oh, 100. Oh merde! 100! 100, mais le ça premier pue. 100! Oh là le premier 100! Oh là, l'échec! Oh, l'échec critique! Flo! On sait pas boire, maître nain, on ne boit pas. Flo, tu prends, tu vois faire, tu fais. Attends, je vais faire pareil. Je fais pareil, tu prends la bière, tu as ce coup. Et en fait, t'as pas le temps de la mettre dans ta bouche, qu'elle te tombe sur la gueule. Elle te tombe sur la gueule. T'es là, tu fais oh putain merde. Tu essaies de te relever pour éviter ton ta connerie. Tu te repètes la gueule. Du banc où tu t'es levé, tu te pètes la gueule. Autour, on se fout de ta gueule. Tu te relèves, tu te relèves. Fais putain, fais chier et tu re-repètes la gueule parce que ça est venu glissant. Excellent. Voilà. Tu t'es vautré. Et vu que je suis ultra rancunier, bah si je continue, bah je continue, quoi, je suis têtu. Donc du coup, tu t'es vautré comme une grosse merde. Comme une grosse merde. Voilà. Ouais, là. Du coup, bah, Razak a gagné. Enfin, Thorvald a gagné, pardon. Bien joué. Victoire par KO. Victoire par KO. En attendant, j'ai réussi à m'en enfiler beaucoup plus que lui. Bah, en même temps, quand je fais un échec critique... Mais il a pas réussi à boire à la deuxième, c'est pas pareil. Voilà. Donc du coup, la soirée passe, vous amusez, genre de choses, et vous allez vous coucher. Avec, et moi je viens d'où? Parce que moi je te rappelle que je suis encore couché sur la table. Ah ouais, toi tu t'es endormi sur la table. Tu t'es endormi. Les autres t'ont laissé là. Il y a même pas une petite âme charitable qui vient m'aider. De quoi? Même pas une âme bleue. Ton ancien amant. Tu veux aller avec ton ancien amant? Bah je sais pas, histoire qu'on me... si on meurt demain, moi j'aurais baisé, tu vois. Elle en peut plus, Kate. On ne mélange pas le RP avec l'irréel. Attends, 500 km, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Non mais Kate, regarde bien l'objet que tu as actuellement dans les mains, d'accord? Ouais, franchement, et puis démerde-toi avec. Avec. Tu penses c'est bien assez long, quoi, merde. Donc vous allez vous coucher. Vous allez vous coucher. Vous allez vous coucher. Toi du coup, Alia, tu veux rejoindre, tu pars avec Alka, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Donc du coup, toi tu pars avec Alka. Pourquoi c'est pas un jet voir s'il la rejette ou non? Ça aurait pu être drôle. Oui, je... Ah ouais. Bah pour l'instant, vous partez et elle suit Alka. Pour l'instant, suit Alka. Vous discutez tous les deux justement sur le chemin de vos chambres qui sont juxtaposées. Pendant ce temps-là, toi, tu as été récupéré par l'elfe avec qui tu as couché le matin même. Elle t'amène dans sa chambre et elle te pose délicatement sur le lit et se met à ton côté et s'occupe de toi un peu comme un bébé. Oh là là. Tu es complètement torché, tu t'es assommé la tête, t'es KO, elle peut rien tirer de toi là. Donc elle s'occupe de toi. Voilà, elle est gentille, elle s'occupe de toi. Alia, de ton côté, est-ce que tu veux tenter un jet de charisme pour essayer de faire quelque chose avec justement le Algar? Tu veux essayer? Oui. Très bien. Dis-moi le score. 76. T'as 21 en charisme. Ah, c'est la merde. Oui, je veux que je le fasse. Alors, tu essaies de le draguer. Tu essaies de le draguer. Bon, qu'est-ce que tu lui dis? Allez, la pro. Hello, Papagena. Putain, mais laissez-la. T'es con.
Tu es belle là comme la papa. Et lui il répond. Nique ta mère. J'aimerais ne pas dormir seule ce soir. C'est quoi ce truc nul? Ah ça donne envie hein. C'est pour ça qu'elle a raté, c'est pour ça qu'elle a raté son jet. Hein. Alors lui aussi, toi du coup t'avais fait 76. Lui aussi. Bon. 89. Il se rappelle de ce que vous aviez vécu ensemble, ce qui s'était passé peu de temps, enfin quelques années auparavant et de votre relation. Ça lui a laissé des marques quand même parce que tu l'as un peu lâché comme un malpropre. Tu as quand même un caractère bien trempé. Et il réfléchit à ta proposition. Et il se dit, bon, d'accord pour cette fois. Mais il ne se passera rien entre nous. Ok. Donc vous entrez dans, vous entrez tous les deux dans la chambre. Et, il t'invite dans son lit, vu qu'il n'y en a qu'un seul. On n'a pas un sac de couchage quelque chose. Pourquoi on n'est pas dans ma chambre qui doit être plus grande? Parce que tu l'as suivi dans sa chambre. D'accord. Oui, j'avoue. Oui. Et tu constates qu'effectivement sa chambre est quand même relativement grande, un peu moins grande que la tienne, mais voilà. C'est quand même une belle pièce. Il t'invite dans son lit. Lui enlève tout son attirail et ne garde que un pantalon. Ne garde qu'un pantalon en toile. Toi, tu te déshabilles ou pas? Tu fais quelque chose de spécial je garde ma chemise, quoi, c'est tout. Mais... Très bien. Voilà. Donc toi, tu te retrouves en chemise de nuit, tandis que lui, il a juste gardé le pantalon et tu vois son torse. Et tu te rappelles que c'était peut-être que c'était pour ça aussi que tu le voulais, parce qu'il était plutôt bien gaulé. C'est pas pour rien que c'est le capitaine de la milice. Enfin, le capitaine de la cité. Et moi, je peux pas être capitaine de la cité, parce que... Toi, t'es dans les vins. Toi, t'es à la tête au pays du tabac. Non, il est pas la taille requise, en plus. Rayon freine. Comment ça? Dans quel sens? Où ça, j'ai pas la taille requise? Et donc, du coup... Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier en plus à l'IA ou pas? Bon, elle lui met la main dans le calbar, direct, boum. Je sens une chose froide dans ma culotte. Pardon. Je sens une chose froide dans ma culotte. C'est ma main. Tu fermes la rentière, je te mets avant que je te mette dans la gueule. Même IRL, franchement. Papa, si t'es dormi à côté d'une allumeuse. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je devrais dire à Boromir de ramener ma décolleuse. Quand ce son était mythique, putain. Ouais. Je me tourne vers lui, je le regarde. Ben on est allongé, hein. Je me tourne vers lui, dans son sens, je le regarde et je pose ma main sur son épaule et voilà. C'est et je dis bonne nuit. Non mais Kat, enfin Alia, c'est quoi ça? C'est il y a la voix off dans sa tête en plus à côté, t'as vu? Non mais vraiment quoi. Au moment où. Mais vous êtes pas là vous, donc vous commentez pas. Ouais, vous êtes en train de pioncer. Vous n'avez pas le droit de parler, taisez-vous. Taisez-vous, c'est un match de foot, on est dans la pièce à côté, il y a la télé, on regarde. Allez, lance les pas. Vous êtes tous les trois à l'étage inférieur dans les salles réservées aux invités. Grâce, en plus, vous allez nous entendre. Oui, enfin, bon, c'est un bâtiment en pierre, faut que ça grince, quoi, pour qu'on entende. Moi, vous m'avez pas entendu. Je vais dire, j'espère que les cloisons... Quand tu poses ta main sur son épaule, il te regarde... T'attrapes la tête et t'embrasse. C'est réglé. Voilà. La nuit passe. Nous retrouvons le lendemain matin. Et elle a un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous retrouvons le lendemain matin. Toi, Aslan, tu t'es réveillé la tête dans le cul. Dans quel sens? Dans le sens de la tête dans le cul, parce que t'es bourré. Hein, t'as la gueule de bois. T'as la gueule de bois. Tu es claqué, t'as la gueule de bois. L'elfe à côté de toi qui a les yeux grands ouverts, qui t'aurait fait. Bien dormi, mon chou. J'espère qu'au moins tu vas la fiancer avant de partir. Alors je lui dis, je suis pas très bien là. En sachant que Flo et Torvald, vous avez dormi dans la même salle, dans la même pièce, vous. Vous avez dormi dans la même chambre. Lit séparé, précisons.
Oh le oui, bad. Si tu me dis qu'il y a qu'un lit, j'ai dormi par terre. Oh le bad. C'est moi, c'était screenshot. C'était les chambres avec qui séparer. Du coup, Flaudria, tu t'es réveillé en premier et tu sens qu'il y a une odeur désagréable. Et en fait, Torval se réveille et te dit qu'est-ce que tu dis Je sais ce que tu dis. Toi, Flaudria, tu te réveilles, tu fais putain, mais on dirait qu'il y a un gobelin mort et il s'est retrouvé sous un rocher. Et Torval, il te regarde, fait mais non, c'est juste mes pieds. Oh, je m'en doutais. Venez. Référence. Oui. Oui. Est-ce que Aslin peut lancer un dé pour savoir s'il a mal aux fesses? Oui. J'ai rien demandé. Même lui qui est d'accord. J'ai rien demandé. Il est d'accord, mais vas-y, attends, vas-y, Aslin. J'ai pas mal aux fesses. Si j'ai mal. Alors 37 dans physique. Physiquement, il encaisse mal, hein. Le physique, non, ça va, au physique, t'as rien. Bon, elle m'a rien fait dedans, elle était bien, ouais. La non, pommade mais... elfique a été elle efficace. Elle s'est occupée de toi, c'est tout. Elle s'est occupée de toi. Elle a pris soin de toi. Comme dans du beurre. Du coup, Flo, toi, du coup, tu es sorti et tu as été accueilli par Alcar. Accueilli par Alcar à l'entrée, enfin, qui a toqué, il fait « Monseigneur Nia, êtes-vous prêt ?» Toi, Alia, tu es encore en train de dormir. Du coup, je lui réponds oui et je vais avec lui. Très bien. Donc tu vois, tu le suis et tu constates qu'il a un grand sourire aux lèvres. Moi, je ricane. Donc vous allez à la forge et du coup, tu lui expliques... Attends. Il vient de me laisser en plan pour aller faire des armes. Oui. Pardon. J'ai eu un bisou sur le front, moi. Il est 6h du matin. Il a eu un sourire. Il est 6h du matin. Chut ! À découvrir en jeu. Il est 6h du matin, et 6h du matin, vous vous réveillez avec le soleil. Toi, Alia, actuellement, tu es sur le plumard en mode. Voilà. En mode Jésus, mais mal fait, toi. C'est ça. On comprend mieux les béquilles maintenant. Et les cheveux complètement ébouriffés. Comme là. Et du coup, toi, Flo, effectivement, tu es avec Alcar. Et qu'est-ce que vous faites de particulier? Enfin, de toute façon, tu lui expliques le fonctionnement et comment, du coup. Je lui explique et ensuite on confectionne l'arme qu'il voulait confectionner. Très bien. Donc durant toute la matinée, toi et Alcar ainsi que Torval qui est venu du coup pour observer. C'est vrai. Pendant toute la matinée de environ 7h du matin jusqu'à 11h environ, voire même midi, jusqu'à même midi, vous passez la matinée entière à confectionner cette arme. Et à la fin... après tout cela, Alcar est extrêmement impressionné par cette technologie et étonné d'une telle avancée de la part des nains. Et l'arme que tu récupères est un arquebuse, sauf que c'est un arquebuse de fabrication à la fois naine et elfique. Il y a tout le savoir-faire nain dedans, mêlé à l'artisanat elf. Ton arquebuse est beaucoup plus effilé. Ton arquebuse est passé en gros... Ton arquebuse est passé d'un arquebuse à un mousquet. Oh yes, ça c'est cool. Ta portée est accrue. La portée de ton arme est beaucoup plus accrue, donc tu n'as plus une arquebuse, tu as un mousquet. Tu as un mousquet et au niveau des dégâts, chaque balle que tu tireras t'apprend un 5 de dégâts au lieu de 3. Bien. Et tu as une portée bien, et tu as une portée accrue. Là où ton arquebuse tirait jusqu'à 100 mètres, le mousquet tire au double. Donc tu passes à 200 mètres de portée. À cela, toi, t'as fini par te réveiller, à galérer à te réveiller, mais durant toute la matinée, t'étais complètement KO. Là, tu s'occupes de ça. Bad. Voilà, tu sors de la salle, tu vas prendre ton petit déjeuner, enfin disons ton second, enfin bref ton déjeuner même plutôt, parce que, le petit déjeuner, second petit déjeuner, tu l'as raté. La collation de Hazard aussi, mais le déjeuner, non. Est-ce qu'il passe? Tu le manges. Est-ce que je le revomis pas? Non, là tout va bien, tu manges correctement, tout ça. Alia, qui t'a rejointe entre temps, tu la vois en plus ou moins chemise de nuit avec un pantalon, bref, elle s'est habillée un petit peu comme elle pouvait, et tu la vois qu'elle est complètement ébouriffée. Tu sens qu'elle a le sourire aux lèvres aussi, et elle est claquée, tu sens que. Il s'est passé un truc, quoi. Je lui demande comment ça s'est passé, j'essaie de savoir des détails, des réponses. Vas-y. De m'intéresser au truc. Alors, t'as passé une bonne nuit? Qui te dit à cela? Comment ça s'est passé? Est-ce que... Qu'est-ce que quoi s'est passé? Oui, parce qu'elle-même, elle sait pas ce qui s'est passé, en fait. Donc. Non, mais c'est surtout... Déjà, à savoir, est-ce que vous m'avez grillé en train de me suivre? Je pense pas. Non, c'est juste que moi, là, je te vois avec un sourire dans le coin. Les autres, ils ne voyaient pas, donc...
Moi je t'ai pas vu. Les autres sont pas là. Là, le seul que tu as, le seul avec qui tu es, c'est Aslan là. Parce que moi je t'ai pas vu, moi c'est jusque là comment tu es, ben je présume qu'il s'est passé quelque chose. Non, non, j'ai bien dormi, c'est tout. T'es sûr? Parce que t'as l'air très détendu, très posé, avec un petit sourire, en chemise. Bah oui, parce que j'ai dormi dans mon lit. Et tu boites un peu en plus. Un lit de taverne infesté de pute, alors forcément que j'ai bien dormi. Infesté de pute. Ouais, mais tu boites? Non, elle boite pas. Mais effectivement, elle a l'air de se faire rouler dessus par un cheval, quoi. Voilà. Donc, il s'est sûrement passé quelque chose, peut-être en ton insu, tu le sais peut-être pas. Tu dormais peut-être très profondément, c'est peut-être le cas de le dire. Ah, comme maître du jeu, il est génial, hein. Oui. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Est-ce que tu continues sur ce que... Est-ce que tu continues de lui répondre la même chose à Kathleen, ou est-ce que tu dis des choses en plus, Alia? Ah non, c'est ça. Tout ce que j'ai dit, c'est ça que je dis. Non, mais je demande à Alia ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que tu dis? Ah, pardon. Alia, qu'est-ce que tu en penses, du coup? Que j'ai bien dormi, c'est tout? Il s'est rien passé? Bon, bah d'accord. Très bien. Asla, fais-moi juste un geste, s'il te plaît, intelligence. Un geste, bien sûr, mais bien évidemment, mais bien sûr. Mais bien évidemment. On ne sera pas là. Attends. Benz. 88. Et c'est raté. Dommage, 88. Donc, tu la crois. Tu te doutes un truc peut-être, mais bon, tu penses que c'est ton imagination. Tu sens que Gaël, il l'a fait quand même. Vas-y, dis-moi qu'il s'en rend compte de quelque chose. Allez, allez, léger. Après, on peut l'annuler et refaire. Non, c'est fait, merci. Alors, du coup, vous finissez par vous retrouver tous, au bout d'un moment, dans l'après-midi, vers 14h, après avoir tous mangé. Et vous voyez qu'il y a tout un convoi, que l'armée s'est regroupée en dehors de la cité. Et justement, vous allez... vous retrouvez à la suivre. Est-ce que moi je me fais pas des je me pose pas des questions par rapport à Lia vu que j'ai vu ça. Lance-moi un jet d'intelligence. Ok. D'être 100 toujours. En sachant que tu as 69 d'intelligence. Hein, 94. Alors toi, tu penses juste qu'à Lucas, il a dû passer une bonne nuit dans le sens, il a dû se taper une pute. Mais tu te doutes pas une seconde qu'il a peut-être couché. Qui a couché peut-être avec quelqu'un que tu connais ou pas. Enfin, tu sens qu'il a dû coucher avec quelqu'un, mais bon. Voilà, mais si tu dis juste. Maintenant, il manque plus de Razak. J'espère que c'est mon dernier échec critique. Non, parce que là, c'est la merde. Moi, parce qu'après, tu connais Gaël qui est tout à l'heure. Après, il va dire ah, Razak est pas con. Razak commence à faire une crise de jalousie. Mais tiens, ouais. Lance-moi un G, Razak intelligent, s'il te plaît. Allez, bam. Et là, c'est réussi, bien sûr. Allez, boum, 100. 83. donc tu te rends compte, toi tu te rends compte de rien. T'es trop content d'avoir ta grosse épée et de partir à la baston. La bagarre. Il a 69 en intelligence. Comme la position. Le chiffre parfait. Le chiffre parfait. Atessan à 69, à 34 d'intelligence, Kathleen tu as 45 et Flaudrir à 69 d'intelligence aussi. Il est pas con. Hein. C'est marrant, c'est deux seuls qui. C'est marrant, c'est deux seuls qui ont 69 d'intelligence qui ont pas Ken. J'avoue. Regardez. Moi je m'en bats les couilles, baston, moi c'est aussi. Tout. Donc par rapport à tout cela, par rapport à cette nuit qui s'est passée, ce genre de choses, tout ce qui est arrivé, vous repartez du coup, vous suivez du coup Alcar qui guide justement cette troupe, mm-hmm. Alcar Taorina, qui guide cette armée de 1000 combattants. Avec vous à l'intérieur, sur un convoi, vous avez des chariots avec vous. C'est qui tous ces cons? Vous avez un chariot, vous avez plusieurs chariots, effectivement, c'est vraiment un convoi militaire, plusieurs chariots remplis d'armes pour certains, de vivres. En plus des 1000 guerriers, vous avez encore au moins une bonne centaine de personnes qui vous suivent, qui est l'intendance. Donc les serviteurs, les cuisiniers, tout ça. L'armée se met en route. Vous suivez justement... attendez, je vais remettre la carte. Voilà. Tac, vous suivez le gros des troupes depuis Gafiel. Donc je remets la carte à l'écran. Depuis Gafiel, et vous partez pendant environ 5 jours de marche. Oh. Parce que comme du coup vous traînez des bagages
Il y a, ça fait du monde. Vous traînez des bagages, du coup, donc forcément, c'est du transport. Ça met du temps. Donc, c'est long, quoi. C'est long. One eternity later. Moi, j'avais un truc aussi, j'avais ça. Putain, arrêtez. Donc, attendez, c'est gros. Donc, du coup, vous marchez pendant plusieurs jours. Vous subissez même une attaque en chemin. Dû à, justement, il semblerait des corsaires, des pirates. Ah. Des pirates qui auraient débarqué, effectivement, sur... sur ces terres, vous apprenez effectivement en tuant l'un d'entre eux et vous récupérez justement des informations. Vous apprenez que ce sont des pirates qui viennent de l'île de comment s'appelle déjà cette île-là, j'ai oublié son nom. Attendez, je retourne sur ma carte. Qui viennent de l'île de Mabite. Non, c'est pas ça. Ah, très belle contrée, j'y suis allé une fois. Jean Mabit. Quatre connaît très bien. Qui viennent justement de l'île de Fenrir. Qui viennent de la cité de Felnir, sur l'île de Felniar. C'est une cité pirate, effectivement, qui est connue notamment de toi, Thorvald, parce que les navires de ta contrée, et notamment les gens qui habitent sur les côtes, connaissent ces forbans, qui sont des renégats, des gens qui choisissent de se battre et de piller les navires des autres nations pour se faire de l'argent. Question. Et vous apprenez que ceux-ci sont au service de la merde qui se passe dans le monde et que justement ils font des débarquements d'orques d'orques du chaos pour attaquer les arrières elfes. Heureusement, vous avez réussi à arrêter cela et vous avez, grâce à vous, le message a pu être transmis dans les arrières pour peut-être envoyer justement des compagnies pour surveiller les côtes. Autour de vous, l'armée elfe est très organisée. Vous constatez qu'ils sont dans des tenues de plus apparat. Certains sont armés de grandes épées, d'autres de haches. Mais certains d'entre eux, une petite compagnie notamment, d'une centaine d'entre eux, chevauchent des griffons. Donc vous voyez cette armée-là avec vous. Vous êtes dedans. Alors, le dragon qui est derrière ne compte pas. Hein. Et vous finissez par approcher petit à petit de l'immense pont de pierre d'Ethelred. Du pont d'Ethelred. Ce pont est absolument gigantesque. Vous n'avez jamais vu un pont aussi grand. C'est un pont qui, justement, fait 80 km de long. Donc il y a une journée de marche entière, à marche forcée, pour traverser le pont. 80 km de long. Il fait 50 km de long. Donc il faut quand même une grosse journée de marche pour le traverser, voire deux jours. Et au fur et à mesure que vous traversez le pont, vous arrivez en vue du mur d'Ethelred. Oh, je vais dire le mur de Berlin. Je vais t'enculer. Vous arrivez justement près du mur d'Ethelred.